Yoko kisabilaka na yo, hallelujah. Yoko kisabilaka na yo, na lobi kokisalelo. Kokisabilaka, kilaka ela tanzoto. Yesu, kokisa, kilaka na yo Yesu, ela tanzoto na bomo yaka. Yesu. Nabaneli yoko kisabilaka Yesu, hallelujah. Yoko kisabilaka Yesu, yoko kisa bilaka na yo na momo inanga. Tuba sama biye kisa bilaka na yo elada soto bilaka Yesu yoka. Zabe nanguya, zabe nanguya, zabe. Mes très chers bien-aimés, nous revoici encore devant vous, le missionnaire en Jésus. Comme nous avons toujours souligné, nous sommes là pour vous ramener le message. Le missionnaire en Jésus avec la maison de la vérité, nous avons besoin que le peuple de Dieu doivent comprendre la vérité, la réalité à travers la parole de Dieu. Parce que c'est la seule parole qui nous ramène à la vie éternelle. C'est la seule parole que nous devons comprendre le mal et le bien. Parce que nous avons tous besoin de connaître la vérité, de connaître qui est notre Christ. Parce que nous avons besoin de suivre l'exemple de notre Christ. Aujourd'hui, mes bien-aimés, voici, je suis devant vous avec notre maman que vous connaissez tous, maman Chantal Lalune. Que vous connaissez depuis Kinshasa. Aujourd'hui, elle est avec nous en France. Et maman Chantal, que vous connaissez, qui est l'ancienne maman femme brillante, la présidente femme brillante de l'église Cité Bethel à Kinshasa. Si aujourd'hui nous avons obligé d'aller chercher maman Chantal pour nous éclaircir un peu, regardez un peu dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce que la Bible nous demande. Parce que si nous regardons aujourd'hui, la tenue des femmes, la tenue pour les jeunes filles, la tenue des mamans a complètement changé. Et nous avons aussi oublié que nous sommes dans l'église. Il faut voir aussi l'état des mamans, des jeunes, des enfants, comment ils habillent dans la maison du père. Or, dans la maison du père, il faut avoir au moins une dignité, mais à travers la parole. C'est Maman Chantal. Parce que nous, on a vu des émissions à Kinshasa, à l'époque, à Cité Bethel, quand vous étiez encore la présidente de Maman Femme Brillante, parce que vous êtes la première Maman Présidente Femme Brillante. Vous avez démontré, vous avez expliqué, vous avez essayé vraiment de mettre beaucoup de mamans à Kinshasa à l'état de tenue des mamans. Aujourd'hui, si nous sommes venus vers vous, parce que je sais que Dieu il a mis quelque chose, de bonnes choses pour les mamans au niveau des tenues. C'est pour cela aujourd'hui, maman, au Balouan à Lingala, parce que là, vous êtes dans ma Bible, Pena, au Kota, Rim Sabana, Nayo, Paneko Nayo, la sœur Nayo, ma maman Nayo, la Katina Miloba, vraiment, la tenue pour une femme et aussi, surtout, dans l'église. Merci, maman. Yayo, Mona. Na pamboli Nzambe pour son amour, pour sa fidélité, à Nzambe otika la Nzambe. Amen. Aujourd'hui, si on veut partager sur la tenue de la femme, pour moi c'est une grâce aussi. Pour Eze Lokoyo, ce n'est pas l'Europe qui peut changer quelqu'un de tenue. Ce n'est pas l'Asie. Si on regarde la Bible, ces gens-là n'étaient pas au Congo. Bazali pe na France, ni pe na Allemagne, Bazali pe na Mbokate, il n'y a pas sinon. Et c'était pour respect d'abord de Dieu, après respect de soi-même. Amen, maman. Yango, si on veut partager des tenues de la femme, c'est bon pour tout le monde, que ce soit femme mariée ou femme célibataire ou quoi. Vraiment, Balandi à émission, moi, je suis fier, tout le bel à sur tenue.
pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour vraiment jeunesse oyopezo kola enfin que de savoir ce n'est pas à cause de tenir mutakoko obtenir poste na musala mariage quoi mais à cause de tenir mutakoko obtenir royaume du ciel. Amen. Pour na tenir ko gagner mutu or balobi so muta gagner mutu moko pamba il y a une grande fête au ciel. Et na tenu, tu seras béni de Dieu parce que tu as tiré vers yo. Batona ba otuna, pourquoi yo koma boye? Bon, à travers l'émission, on va quand même parler de quelque chose que Dieu va mettre à travers le Saint-Esprit. Toloba posa na bisoté, toloba modèle na bisoté, mais nous voulons parler de modèle de Dieu. Modèle pe ya Paul te nenge batumsu balobaka. Ça c'est Paul et or si on lit dans la Bible tout ce que Paul a dit, l'écriture nous dit que toute écriture est inspirée pour nous convaincre, pour nous édifier, pour nous corriger. Si cette parole batbaloba amen est vrai, ça signifie que ce qu'on va partager et aux ala posa na ngati mais selon dit l'écriture. Merci beaucoup maman. Yangwana ndenge tolobi ndenge yomoko lobi tolingi vraiment ya solo suivant les écritures. C'est ça qu'on nous a besoin. Maison de la vérité, nous avec le missionnaire en Jésus, nous voulons que nous marchions à travers la parole de Dieu et non hors la parole de Dieu ou le sentiment d'une personne. Tolingi komanda émission na biso vraiment nazali kopambola. Balandignon soya émission là où vous êtes onyon soba kolande émission nzamba mona bino apambola bino afungola bino intelligence ko la fungola ki baye koli ba disciples tant baye ko ebisa bango que Jésus est ressuscité bazala ki convaincu vraiment te bamsu bazao monango lokola makamoko basi baye nango na tongo tongo makasi bakosi batu bakimi pe bakei ba Pierre bakimi pe bakei batali libulo eza vite. Si vous lisez la Bible balobi Pierre azonga ki akena ndaku nai nadi alobi ah makamongo pe komisu boye ba moni osu compliqué mais Yesu tanga ye ko bimela bango après avoir parlé avec les gens Nanzela et Maïus batona pe bakamwe tanga bazungisu ko yebisa ah makambo basi ba yaki nango za ki vrai Yesu ye ko bimela bango tanga bimeli bango ayebisi bango comment bozali ko yeba écriture te moi j'ai parlé de moi-même. Le poussomme ont parlé de moi, des prophètes ont parlé de moi. La Bible nous dit après il les a ouvert l'intelligence. Et l'ingi n'angoloba, ma sœur, c'est au que vous allez comprendre teti lelo, c'est qu'on dit dans les Écritures. Banda ko senga na nzambe a fungola o connaissance à travers le Saint Esprit. Ce n'est que le Saint Esprit o yekoki ko pousser bisoto zala obéissante. Ngaso na moni mutaza obéissante te na parole quelle que soit. Aujourd'hui on veut parler tenir de la femme. Mais demain on peut parler de l'obéissance, demain on peut parler de soumission, de la soumission. Mais tout ça pour comprendre en gros sans le Saint Esprit, ça m'a passé. Parce que ça m'a kamu oyo et kou ta na classité, ou que nos côtés université te ba enseigné yo, ou que nos côtés pe école biblique te. Parce que à ton côté école biblique ou reçoit Saint Esprit te, ce sont des choses en lisant la Bible, en priant, Dieu va te convaincre. Parce qu'à l'obé, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous convaincra. De quoi? De péché? Il vous convaincra. De quoi? De cet enseignement qu'on lit dans la Bible? Il va vous éduquer. De quoi? De la parole de Dieu? Et ça m'a classité. Et ça m'a kambo et comment mis la Bible. Pour ce solango, il faut la convaincre. Il y a un autre débat moko inutile parfois. Mais, ngana lobaka, et ça, il faut zwa kaka enseignement. Sans enseignement, il ne faut pas que vous la convaincre. Lelo tolingi pe tope sa mwa enseignement oyo ta mususu pe oyo kana yo bandona eze lo kwa sikate pour moi eze lo kwa sikate mais parfois il y aura un plus parce que le Saint-Esprit de jour en jour il parle de sa manière. C'est l'esprit de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut na moment voulu na personne aussi voulu. Ta mususu oyo ka kina mutu mais eko kana te ta mususu po oyo ka kaka ngai mais eko kana pete vraiment balandi na émission. Pe sa mato ipe miso afin que kembo na nzambe emonisama ya Chantal Laluti. Amen. Tulingi tolobela likolo ya tenue de la femme.
na lingi poto banda koloba yango tozo ngana na Genèse oleto kota kamala moko pourquoi tenue de la femme et pourquoi parce que quand on parle de tenue de la femme ce n'est pas seulement l'habillement, c'est aussi comment la femme peut se tenir. Parce que quand on dit tenue de la femme, et c'est la façon de la femme de parler, de s'habiller, et de marcher, de faire vivre tout. C'est-à-dire, moi, si je n'ai pas de zala. Mais aujourd'hui, pour un habillement, on a un habillement. Après, nous avons repris sa bisoka à Moukolo parce qu'il est Dieu. S'il veut que Bananaye, Baza l'enseigner, après ça, à Moukolo. Pour Mukolo Oyo, ngape na yebaki yango te, mais nzamba yebaki yango. Yango lelo tolingi tolobe la surteni de la femme Oyo ya abiman. Mais na kati on atam sou toko glisse pe momoko, na ndenge nini mwasi ya kosa la. Amen. Pour mwasi pe soka zana lolenge pe Oyo sengelite e zape malamuti. Amen. Totala na Bible na Genèse, tozwi na nou Genèse 3. Et le connini Bible zolo belabiso Genèse 3 nazuna nous 3 4 Alors le serpent dit à la femme pas du tout vous ne mourrez pas Dieu le sait le jour où vous mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissant ce qui est bon ou mauvais La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant à la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et la mangea. Et elle la donna aussi à son mari qui était avec elle. Balobako Adam tika ki moi si azo telengana na jardin. Ya wana moi si alia ki mbuma. Mais awanga na tangi balobi, il donna son mari qui était avec elle. Na kalisi so ki français lobi bongo lingolo ba mobala za ki a côté. Balobi azala ki na ye. Balobi te ke il est parti donner à son mari qui est resté dans la maison. Parce que bazala ola la peli banda te bazala ola anandako atako bazaki na jardin. Mais balobi qui était avec elle. Et ça, discernement, belé, mais tout ça, on a été. Mais le problème que la femme a vu cet arbre bon à voir. Au moment qu'il a mis son nez au pengo, n'a pas dit aveugle, pas pengo moins. Pas aveugle, pas au soumouka moins. Pour avoir balobi bon à voir. Au moment, tant à mon nez, on quitte au et attiré. À mon nez, l'engalier, en gros, le bambou, mangue, ça qui m'a foudé, t'es là, mur. Et moi si akamati nini aliango akepe kopesa mobali na ye. Et la Bible nous dit quand ils ont fait ça, ils ont déjà péché parce qu'ils ont transgressé la loi. Baye bakike il faut baliate. Leur serpent lobby, moi si a répondu qu'avec tous les commentaires, il a modifié et il a changé verset nzamba lobela yi bango. La femme a modifié parce que Dieu a dit que cet arbre-là, vous ne mangerez pas. Si vous le mangez, vous mourrez certainement. Mais la femme a répondu au serpent, Dieu nous a dit, nous ne mangerons pas, nous ne toucherons pas. Mais a complété biloko, Dieu n'a pas dit ça. Et a modifié la phrase. Pourquoi? Parce que c'était beau à voir. Et le temps que c'est lengi. Oh non, Bible écoute le baki, tout la taboueté, bah on va commenter tout la taboué. Parce que c'est beau à voir. Biloko y'a pas cette interdiction, et ça va quand il toque na omona. Et la femme, quand elle a modifié, a zoa ki nini a lié. Ce qui moutalinga salali soumou, a ko modifié ma écriture. Ce qui moutalinga salali soumou, a ko loba ou yézali na katina Bible ti. Nakola kisabino yango na ndenge kaka toko tanga ta 2 verset ka 3 mais na ndenge na kufungola nakola kisayo ke la modification là le mensonge là ça a commencé dès le commencement ce n'est pas aujourd'hui que nous répondons ce que nous donnons comme réponse dans des églises et partout on te croise ba yebisio ke mais madame pourquoi tu as porté comme ça pourquoi tu t'habillais comme ça ba réponse au topé saka ce n'est pas aujourd'hui Dès le commencement, il y avait des réponses qu'on donnait qui ne plaisaient pas à Dieu. Et tant que nous avons ces réponses qui ne plaisaient pas à Dieu, alinga ça la pose sanaye.
Dieu aussi a dit dans sa parole, j'ai mis devant l'homme le bien et le mal. Abakisi sous son conseil, regarde comment Dieu est amour. Alors, tu choisis le bien afin que tu vives. Si tu choisis le mal, tu vas mourir. Mais il y a aussi des temps où nous choisissons le mal pour mourir. Mourir, ce n'est pas qu'on t'enterre. Mais quand tu meurs, au courant de temps, tu vas mourir. C'est-à-dire, en toi, tout ce que tu fais, et ça, il y a un coup. Pour que tu aies un bon mourir, ça, c'est un goût. Moutou a zara bon moui azara parfois na pudeur. Moutou a zara bon moui parfois azara na honte ya batu. Moutou a bon moui azara na moi respect. Mais ce que toi tu fais, est-ce que vous avez respect à vie na yo? Toye bango sima. Toko banano, tozoa 1 Corinthiens 11. Tozoi 1 Corinthiens 11. Tomona makambo biso tozo loba. Et ça, nango ebele na kati na Corinthiens, na kati na Timothée, mais na lingi tozwa kaka nanu kaka ta 11. Totanga kaka 1 Corinthiens 11. Bible osunga biso mukie awa soki maloba nzambe ezolobela biso nini. Corinthiens 11 et lingina kolobela biso boye nazo tanga na verset 5 na kansi na kotanga tina 6 na bandi na 5. Mais toute femme qui prie ou qui parle en prophétesse la tête non couverte d'un voile fait honte à sa tête. C'est comme si elle était rasée. Si une femme ne se couvre pas d'un voile, qu'elle se coupe aussi le cheveu. Et s'il est choquant qu'une femme ait le cheveu coupé ou rasé, qu'elle se couvre d'un voile. Un homme ne doit pas se couvrir la tête d'un voile. Toza kuna na mibalité, toza na basi. Malobité, si une femme prie ou elle prophétise, balobi si elle prie ou elle prophétise, parce que quand tu prophétises ezala na ndako ezala na église et sengeli ozala voilé wana balobi soko lingi ko zala voilé te okata suki soki to continue balobi pour chevelure et pesamela lokola voile siko lokola batu balinga ko tordre évangile balobi nini. Balobi nanga chevelure et pesa melanga lokola voile. Siko nga ninge nazana suki nanga ebele, tadi yangwana deja voile. Mais ata bongo te zwa ta Bible lingala, soko za mukongo zwa ya kikongo, soko za mushwaili zwa ya swahiliza, soko za une femme américaine zwa ya anglais, soko za nani british zwa ya anglais, soko za mutu mboka nini ta ya alma zwa ta munoko mboka na yo nyonso. Okomona ke phrase oyo échangé ti. Balobi une femme doit couvrir sa tête. Balobi ce qui a couvert était qu'il se rase. Si c'est une honte, regarde bien Balobi, si c'est une honte à une femme de se raser, ça signifie que même Dieu est pour nous que sans souki et ça la biso beauté malamuti. Tala na bomoyi souki ezalaka beauté munene na kati na vie ya mutu. Ce qui moutaza en souki na est propre, a bongi siango bien, et a la kapenza beauté. Tala l'homme qui va se marier à sa rani na kouvra moutou na est, mais à kouafaka en souki na est, tant à kouafaka zong sara est sika. Et la femme, même à kouafé, nan souka o tchani une voile. Et tant à tchaka voile wana. Mais pourquoi va l'ongo la rate? Parce que mon koloso ke no bala, ma mbaron koutou yozo sa, les anangon en versete. Mais au lingi ka couvrir mutu na yo pour le bao yo za vierge soni mais ezala versete quand on couvre là na mariage ezala ngona versete mozo préférons ça la mangambo ko ezala ngona versete oyo ezala verset balobi couvrir ta tête pour la prière eza une recommandation de la prière. Ce n'est pas toute ta vie otamola na kitambala moko na mutu
toute ta vie au kangakata tonion so yo couvra kaka mutu waneza la bandeko basala ngo iza bazape na signification na bango tamso ezape na bible na bango me ngana yo nazotanga bible oyo ne nazawa na otanga bible Thomson na bible oyo ngana monique bakomeli yango soko tozu ba tradition ba bible nyonso yo yebi wana bakoma encore c'est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas pour la gloire yanga, ce n'est pas pour marquer moko zope sa ke po ba yeba yo moi si. Mais non, la prière on adresse à Dieu. Dieu connaît que moi je suis femme. Et ça te que tant que tu kanga foulard, tu vas une église po ba yeba oyo basi oyo mibal. Mais ça vraiment, je ne sais pas ce que ou ta wapi. Parce que Dieu connaît identité nanga ke moi je suis femme. Ce n'est pas la foulard mouté komoni sa identité nanga et pas zame. Foulard balobi ke c'est pour la gloire. C'est-à-dire tu donnes gloire. Tu t'abaisses à cause de ce que Dieu veut. Tu donnes gloire à Dieu. Ce qui batou balobi apôtre Paul qui a fait ça. Balobi tu donnes gloire à ton Seigneur. Ton Seigneur c'est ton Dieu. Ton Seigneur c'est ton mari. Ton Seigneur c'est ce qui est supérieur comme ton mari. Et si tu es marié, tu donnes gloire aussi à lui parce qu'il est ton Seigneur. Ce qui Abraham, moi si naya benga ki yé Seigneur. Ce n'est pas il a pas comparé Sarah comparé qui Abraham nan zambete. Abenga ki Seigneur na place ki aza mobali na ye, aza muto azo pesa ye honneur abenga ki Seigneur. Et Sarah là on dit abenga ki Seigneur, mais il savait qu'il a un Dieu parce que le Dieu qui a béni Sarah, si Sarah était désobéissant, il n'y a pas pour la paix, Sarah était parce que nous avons pas pour la paix Abraham. Mais quand une femme accouche, qui part à la maternité, c'est la femme. Gloire à mon aîné, c'est la femme parce qu'Abraham avait des enfants déjà. Azaki na mwana na Ismaël. Mais c'était pour te nzamba ça la promesse. Oya promette qui na Abraham. Il faut que ça passe par Sarah. Or, Sarah là, il faut qu'il soit aussi obéissant à Dieu. Et Sarah, il appelait son mari Seigneur parce qu'il obéissait à son mari. C'est-à-dire, Azaki moi soyo ami qui dit ça, mais il n'était pas esclave. Parce que la Bible dit que la femme qui est la femme mariée n'a jamais été esclave. L'esclave était Agar. Quand Agar a accouché, Dieu a dit quoi? Laissez l'esclave partir comme Sarah dit. Ça signifie qu'on appelait Agar esclave. Il était aussi esclave parce qu'il travaillait avec Sarah, sa bonne. Et Sarah était la femme libre, c'est-à-dire la femme qui a l'honneur. Et cette femme-là qui a l'honneur, si aujourd'hui tout n'a tenue à Sarah, je ne le dirai pas parce qu'on n'a pas écrit, mais je sais que c'était une tenue décente. Preuve en est que la fille qui s'est mariée à son fils, quand il venait au mariage, ce qu'on dit dans Genèse 26, au talitango, Isaac a zoba la Rebecca. Tango Rebecca ba outi ko zoye, ba zoya na ye pou ba memaye na Eliezer a memaye et pa ya Isaac. Mais tango Rebecca tombole longa, moni moubali moko li boso, a yebi na ye Isaac, te po ye ba outi ba la ye na commission. Mais Atuni o wana nan ayebisi c'est mon seigneur, tadi mobali oyo bazo memelaye. Qu'est-ce que Rebecca fait? A couvra ki mutu naye. Pourquoi? Parce que zoke ndeli boso ya mutu yo azo pese honneur. Rebecca n'a pas laissé sa tête vide. Bon ayebisa yo ke okolobela Paul eza na ba place ebele o na ko découvrir que ce n'est pas le problème de Paul. So okolobeli Paul ka pona ouvrir mutu. Mais Tikapé combat spirituel, parce que lui qui a parlé du combat spirituel, d'abord le fait mal, c'est que lui a parlé, mais on n'est pas là aujourd'hui. On est aujourd'hui dans la place qui a tenu. La femme pour donner gloire à son Dieu, parce que tu ne peux pas donner gloire à Dieu si tu ne donnes pas gloire, c'est lui qui est proche de toi. Si toi tu es marié, tu vas d'abord obéir à ton mari. Comment obéir dans mon bal, nous tous obéir dans Zam. Mais si tu vois d'autres femmes de l'autre côté là, que vous voyez que Tam Zoubo Mouna Banzame na Bango Yamabe, moi je ne le sais pas. Parce que on n'est pas, moi je ne suis pas Dieu. Pour que Deb Sabatouza, ma malam, on a malamouté. Moi, mon problème, tant que chrétienne, je parle de choses de chrétiens. Toi qui vois de l'autre côté, regarde comment ils obéissent. Ils obéissent à quoi? À leur mari. Alors, bon, moi, baza célibataire, ils couvrent toujours la tête. Parce qu'ils savent qu'ils obéissent à leur Dieu. Mais toi aussi, tu ne peux pas venir devant ton Dieu. Ozo, y a pendant dans l'ensemble.
Mouzo baye na lo sambo, na moutou na ye, azu penda ba souki moko yeza na ngope ya lokuta, nga koutou na lo baka. Oye sou na skandali na eglise, mais non. Oye ko skandalize li sou sou, deux fois. Ndeko mama, ndeko elenge, jeune soeur, vraiment, quand tu t'approches de Dieu, on dit que celle qui prophétise, celle qui prie, à couvrir moutounaye. Eza koutou punition te, eza peko sa l'opacité, parce que sou ki na yo, il faut eza la propre, sou ki na eza propre te, quand tu vas mettre encore de foulard, mais eko sentir quelle odeur. Parce que même on est dans des pays froids, mais il y a de temps, il y a la chaleur. Quand on entre dans des salles, il y a quoi? Des chauffages. Et si on a yo pose à la bielle, on a adressé ma prière à yo. Et le Dieu là qui est saint. Attends, je vais ouvrir à Romain. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Romain nous dit quelque chose. Et Totanga, Bible, Nabiso, na Romain, Toromona, Eloko Nini. Romain Ezolo Benabiso, Romain 7. Romain 7, Ezolo Benabiso, sur la loi. Alingi Totanga Mouke Awa, et le Konini Ezolo Benabiso, sur la loi. Potam Soko Benangope loi, mais oui, c'est la loi. C'est la loi aussi. Romain 7. Romains 7, 7, la Bible nous dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Jamais de la vie. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ainsi, je n'aurais pas su ce qui était le désir de la loi. N'avait pas dit, tu ne désireras pas. Amen. Amen. J'ai connu le péché par la loi. Sans la loi, il n'y a point de péché. Tadi moto yo azolanda emission na tango soka yeba kite akofungo la Bible le Saint Esprit bakofungo le connaissance comme bafungo la ki connaissance ya bayekoli eux aussi ne savaient pas que Christ est ressuscité vrai. Ils savaient pas pourquoi Christ les a parlé, des prophètes ont parlé, des poussons ont parlé, mais comme ils ne croyaient pas que résurrection en a parlé, résurrection est Mkola Souka. Or, Christ avait dit que si vous détruisez ce temple, après trois jours, le rebâtirez. Azale ko le cornaï. Mais bango bazale ko yeba cornaï. Mkolo Christ a ressuscité. Les femmes sont parties mettre des parfums à l'aurore très tôt le matin. Bazongi ba memi message, mais n'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié l'enseignement que Christ les a donné. Tant que Christ a commis le bango et si bango, vous avez oublié, les apôtres ont parlé de moi. Des poussons ont parlé de moi. Des prophètes ont parlé de moi. Moi-même, je vous ai parlé. Malobi, après, il les a ouvert leur connaissance. C'est-à-dire, tant que vous avez connu sur la terre, connaissance les a bloqués. Ici, l'apôtre Paul dit, j'ai connu le péché par la loi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la loi, tu ne connaîtras pas le péché. S'il n'y a pas la loi que la femme couvre sa tête, tu ne connaîtras pas qu'il faut couvrir la tête. Une loi qui t'amène à couvrir ta tête. C'est-à-dire, quand on dit couvre ta tête, si tu n'obéis pas à cette loi-là, tu désobéis à Dieu. Je peux te dire, la désobéissance, faut pas roloba, yamunene na yamuke. Toute désobéissance, c'est un péché. L'apôtre Paul ici dit, j'ai connu le péché par la loi. Quand tu désobéis à la loi, tu désobéis à Dieu. Parce que la loi, ce n'est pas quelque chose qui a établi la loi, qui a écrit. Mais c'est la main de Dieu qui a écrit. Et quand la main de Dieu a écrit, c'est ce qu'on nous a écrit dans la Bible. Et aussi, c'est le Saint-Esprit qui les a enseignés. À travers le Saint-Esprit, c'est-à-dire tout écrit. Si tu vois Christ quand il est venu, abolir et le côté. Après, si on a formé, les prophètes ont parlé, les poussons ont parlé. Après, si on a formé, c'est que Moïse a parlé, après, si on a formé. C'est pour ça que les gens disaient que notre père Abraham n'a pas dit comme ça. Mais si réellement vous êtes d'Abraham, mais vous allez m'écouter. Parce que ce que moi je parle, c'est Abraham qui a déjà parlé ça. Abraham aussi a parlé de moi. Mais les gens là ne croiraient pas. Parce que mon émoi n'a mouké. Or qu'il était égal à Dieu. Quand tu désobéis à ce qu'on a écrit, quand tu désobéis à ce qu'on a dit,
oza komona ke yoza likolo a loi et personne est au-dessus de la loi. Personne. Tadi soko za mimona ozana no likolo ya loi et linkolo bake ozana no mwana nzambe ti. Bo mwana nzambe ami kiti saka. Philippiens nous dit quoi? Philippiens 2 nous dit quoi? Philippiens 2 nous parle de quelque chose là tozolo bango mbangu. Et alobi na biso ke yesengeli biso toyeba na kotosa. Philippiens 2:8. Philippiens 2:8, qu'est-ce qu'on nous dit? Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Malobi, on l'a levé à cause de quoi? De l'humilité. C'est-à-dire, si tu n'es pas obéissant, lui, il a obéi, lui qui est égal à Dieu. Tu peux commencer même à partir de trois commandes. On nous dit que lui qui était égal à Dieu, mais il s'est obéi, il a obéi à la parole, il a obéi jusqu'à la mort au croix. Nani ngwa ko ndima kaza egal netiye a obéir na kufa ti na ekulusi. Mais a obéi c'est parce qu'il connaît le bénéfice na makamba zo to ça. Ayebi ke soki na zo to ça, lobi gloire kozala. Et na obéissance na ye Dieu l'a souverainement élevé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils obéissent pas. Ils font ce qu'ils font. Alobi naza béni. Mais non, la bénédiction ce n'est pas seulement pour les enfants de Dieu. Soko yebi singa oza béni parce que tu as une belle voiture, parce que tu as une belle maison, tu te trompes. Parce que des belles voitures et des belles maisons et ezala maboka ba pagano. Parfois ezala maboka bato ba sala misala soloka. Et pose à la béni à solo, dis-moi seulement que tu as la royaume de, le royaume des cieux. Bah oui, bah ça béni à solo, bah oui, bah simbi royaume des cieux. Et donc, voyez, bah parce que l'esprit de Dieu qui a nous convainc que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu marche selon la parole. Un enfant de Dieu ne dit pas oh ma kamuna bango wana. Ma kamuna bango, ce n'est pas de ma kamou de maman Chantal. C'est ma kamou de la Bible, c'est ma kamou de la parole de Dieu. Tu ne peux pas obéir à ça parce que tu es en dehors de la parole. Tu ne sais pas, tu peux pas obéir à ça parce que tu crois qu'en venant à l'église, tu vas trouver quelqu'un. Or, celui qui va trouver quelqu'un a bien. Et ça, oh, ça obéir dans Nzambe. Nzambe n'a reponé là. Nzambe a reponé là, n'a reponé là qui a denté. Mais Nzambe a reponé là, Nzela na yo, a reponé là, yo, loko moko. Oh, quand tu le feras, tu seras aussi béni. Ce n'est pas seulement le mariage. Tout le monde n'est pas censé se marier. Ce n'est pas seulement le commerce. Tout le monde n'est pas censé faire du commerce. Mais dans ta vie, Dieu va te conduire dans le modèle Moko. Tout ce que tu vas faire, et vous allez prendre la gloire ensemble et tu seras béni. Il y a un Seigneur Nabiso. Tout le monde va obéir à la petite chose. On va parler. Dieu va nous faire encore grâce comme il nous a fait aujourd'hui. On va parler tenue de la femme. On a parlé que des foulards. On a parlé que des charpes. On a parlé que de couvrir la tête. Mais regardez comment nous marchons nus. Na tangela ki yo genèse mais na développé le angote parce que na lingina lobela ka lelo mutu. Mais tant qu'on a refoumolé la yo na elateli. Comment les femmes ici s'habillent ici en Europe? Ba misus au Congo dans leur pays habillés bien. Mais depuis ba ya awa na mboka malili ko sabango. Malili ne peut pas changer mode de vie. Comment baninga wana mususu baza batu lokola biso ba créature lokola biso. Comment bango malgré malili ba respectera zoto na bango. Comment malgré malili bazo tosa. Mais biso tolati makasa oyo Eva lata ki ne bandel. Au commencement Eva lata ki ne makasa. Mais Dieu a honte à lobi oyo baza bikela munanga il peut pas laisser Eve na makasa. Alati sa ki e po ya nyon. Me lelo, to fungo lango. Ti po ya nyon, eza moulayi. To fungo lango, prochaine fois. Lelo, na lingi natali sa oka ki. Si tu pars à l'église, ou tu pries dans ta maison, il faut couvrir ta tête. Ko couvrir tête, eza pon église karate. Même tu pries dans la maison. Soko, elingo lo bateke, soko tamboli nan zelo, moni mouta maladi, moutou eza po lelo, ko sambela, te ko sambela.
Nzamba koyoka parce que il est Dieu des temps et des circonstances. Tandis na circonstance là Dieu sait que naza mutu polele, naza pe na foularte, mais naza na ka devant ngai, mais je vais prier, Dieu va faire miracle. Je dis pas que la foulard là ozomona eza écharpe. C'est pour obéir à quelque chose Dieu t'a dit. Quand je m'apprête pour prier, je vais couvrir ma tête. Surtout nazo s'apprêter pour aller à l'église. Na comme ma foulard na ngata na sac. Devant l'église, devant la salle, avant d'entrer, na couvrir moutou et puis na koti na katia salle. Parce que je pars dans le lieu de prière. Na ko aussi maman na komo prophétiser. Na ko aussi maman ilo komo ko salamelinga. Mais il faut que naza la correcte na zam. Mais si je me trouve dans la salle de bain, je me lave nu. Mais il y a un problème, je vais prier. Na ko lobate il faut na la tabila manza. Mais le boulumbu là, Dieu le connaît. Mais le problème, Dieu a dit, pour qu'une femme prie ou prophétise, il faut que sa tête soit couverte. Il faut que sa tête soit couverte. Il faut même pas qu'on bonde là. Osano nandaku. Oh, eh, boye la gana noé. Eh, lo. Non, ma chérie. Kende ko luka foulard na yo. Pweza na batu lelo mususu. Ako zomu ite ni mogo eloko. Akanyi karaneti batu balatra ba bandana wa tse na mutu ya muke suki nyo se apolele. Mais si tu veux couvrir ta tête, couvre ta tête, on dit couvre ta tête. Mais tant yo kange singa, na mutu suki polele, na li boso pe apa suki polele, mais tu n'as rien fait. Vaut mieux otika ke o skandalize encore et loa wana. Vaut mieux de laisser que de scandaliser encore. Yango na vie na biso, il faut tout ça la makam. So na ninga sala manga manza mina sala ngo correct. Maleleki to solo la mingi to tala ndenge nini roi moko pe awa nzamba tindi asali ndenge nzamba linga kiteme akipa sali likama ngo masala ngo su mabe tanga sala ngo mabe nzamba saki nina botola ki royauté na e nzamba ko botolo makambo yo zo kumisa nzamba ko botolo bidenda oyo yaka osani ki musu sazawa na ye moka za mwasi ya pasteur ou bien ye moka za mundimi mwasi ya serviteur ou bien quoi mais nzamba ko botola yo tout ce qui t'a donné à cause ya désobéissance. Sens à botou la qui royauté oyo ye yokout makamboza nango oluka ngo yo moko mais Saul azala ki muto nzambe na pesa ki akoma roi mais quand il a désobéi à Dieu nzamba botou la ki yango yango to monaka ozala ki bien nzamba botou li yo makamebele parce que ozo servir nzambe ningo alingiti batou nyonso ba ke na en église ba ke na ko servir nzambe muto moko ta ke na en église ka ofele. Offrande wano tiak ozo servir nzambe. Musalo selaka le motam so komba no pambo zo servir nzambe. Musu po komba kate oyaka kako vandaka na yo. Me yondo zo soutenir tamsu na ba prière na kwena yo moko intercede ka minga cause de l'église. Musu servir nzambe. Et sengeli kako servir na musala moko teke batu bazo mona o liboso. Et sengelo sala eloko zo sala ngwa en cachette mais tu le fais bien. Batu batali o kaka ba komisi nzambe. Vraiment tokoko suki sa émission na biso pona lelo mais na yebi ke nzambe soka sale biso grâce tokolobela surtenir a femme comportement ya mwasi et la telu ya mwasi lelo to suki kara fula po eza moteur si ma oye tikali tokoko ba pe na ngopo oko kanga fula na mutu mais tokitika na se scandale tadi na fula pe longwe valeur yango nzamba kosunga biso po biso nous tozana besoin tozala bien na nzambe wana vraiment balandi na émission nzambe amona bino apambola bino apesa bino esprit ya discernement po bo sosola oyo to utina koloba na ngonga oyo kolona nga apambola bino. Merci mes bien-aimés frères et sœurs. Nakanisi, vous avez bien suivi notre maman Chantal Lalu. A utiko yanolabino ndambo lelo na mutuya ya mutuya ya mutuya pona ko banga nzambe na loko etali ya ko bomba moto surtout na bande kona biso ya basi. Nakanisi nzambe ndenge apesa kibiso et Saint-Esprit par là qui biso pour na koluka kokuta na mama Chantal nakanisi ezala ki vraiment ya solo malam pour totala ki be missionnaire ya kala ya ngwana to bondeli penza ba dirija ki biso verrier nakanisi mbale ko ya ndenge ala kibino ndenge kaka Saint-Esprit ko conduire biso akozala susu longo na biso pour aye ba ko développer biso na ba kam susu oyetali li susu nzela na ba mama. Nakanisi bande ko pona lelo to suki wana nzambe ale kana ko pambola bino ale kana ko pambola mama Chantal ko kanisa te lokola biso to ya libo e biso to kokina nyonso te
Nakanisi tu zali kaka se partager biso nyonso. Mama Chantal a yele loko exhorter biso pour kolobate ki yepa koki na nyonso te. Yepe moko pa zali wana tanga zali koloba aza komi ko lengela lisusu koleka. Papa mbola bino na mbala sima tu mbala lisusu mama Chantal na kati ya plateau na biso. Merci et à très bientôt. Tombola yo ya ya na yemeli yo yo ku mama lo yemba sika botema nangayo aku mama yo yesu aku mama na bomoi nangayo aku mama bomoi nangayi ezinga mine simo pona mokozi monende mokeli na nyoso ndi makokufa pona kologi sangai na bituma mulimo bituma makasi goma gologo tate kwa
Si na yo kumama mokozi ya ba.